Mais pour aller où, bordel? Tout droit. On dégage de la zone. Et vos collègues là-bas? Ils sont déjà tous morts. Il va s'en sortir. Ça va aller, l'abdomen n'est pas dur. Les organes vitaux sont pas touchés. Montrez-moi ces blessures. Arrêtez ce véhicule. Qu'est-ce qui se passe, Sonia? Arrêtez cette ambulance! Je veux savoir, putain! Qu'est-ce que c'est dit? Ton véhicule. Ton véhicule! Sonia. Tu touches à rien. Essuie-toi. Vous allez devoir me faire confiance. Il faut nettoyer et désinfecter. Cette base, hein, Noé, avec ces scientifiques là, elle existe vraiment? Autant que ces saloperies à l'extérieur. Pour repartir, faut qu'on trouve une station. Je la sens pas. À la moindre occasion, elle va se débarrasser de nous. Elle est militaire, Marco. On a besoin d'elle.
chargé. Tu sais t'en servir? Tu t'enfermes? Et à la moindre alerte, tu files, d'accord? Je partirai pas sans toi. Y'a rien. Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? On dégage. Viens avec nous. C'est un autiste. Il est sérieusement choqué, c'est tout. On s'occupera mieux de lui, une fois à la base. T'es sûr? Regarde-le, il est tout flippé. Je te laisse pas. Sonia. Contaminé ou pas, il rentrera pas. Pourquoi il peut pas rentrer? Je vous ai dit de me faire confiance. Confiance? Vous nous manipulez depuis le début. Pourquoi il peut pas nous suivre? Hein? Et nous deux? Bon, ça va, expliquez-nous, là. Donne-moi les clés. Mais tu te prends pour qui, là? Vas-y, explique-nous maintenant, merde! Va te faire foutre! Tu me donnes ces putains de clés. T'aurais que dalle. Tu vas poser ton arme au sol. Calme. Canon face à toi. Et tu recules de trois pas.
Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Réveille-toi. Marco, réveille-toi.
s'en sortir, mon amour. Appel d'urgence pour la base Noé. Je répète, appel d'urgence pour la base Noé. Je m'appelle Sonia Dupré, je suis médecin urgentiste. Je vous appelle avec la radio de mon véhicule. Mon compagnon a été blessé par balle. Nous sommes réfugiés au milieu de la forêt dans une grande bâtisse. Un hélicoptère nous a survolés cette nuit. Demande d'évacuation, je répète. Demande d'évacuation. Nous ne sommes pas contaminés. Venez nous chercher. Nous ne sommes pas contaminés. Base Noé, à vous. Base Noé, demande d'évacuation. À vous. Bien reçu. Maintenons notre position. Confirmez évacuation. À vous. Base Noé. Base Noé. Mais si, je les ai eus à la radio. Ils vont venir nous chercher. Comment tu peux encore leur faire confiance? Ils prendront jamais le risque. Ils nous achèveront comme des chiens. Ça va, t'as pas de douleur abdominale? Pas de vertige? Des nausées? Ça tire un peu, mais c'est supportable. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Sonia ? La plaie entièrement cicatrisée. Et alors ? C'est pas une bonne nouvelle ? J'en ai fait plein la gueule. J'en ai sûrement avalé. Non, le virus se transmet pas comme ça. Viens. Il y a l'hélico qui va revenir nous chercher, il faut signaler notre présence ici.
J'en étais pas sûre. Combien de temps il me reste, Sonia? Le virus doit sûrement être au stade végétatif. Là. Combien? Trois jours? Peut-être moins. Les militaires vont forcément venir nous chercher. Une fois là-bas, on pourra te soigner. D'accord. Faut que tu t'accroches, Marco. Tu peux pas me demander ça. Marco, fais pas ça. Regarde. Marco, regarde. Regarde-moi. C'était juste après le confinement. Un de mes patients s'est jeté sur moi pendant que j'étais en train de le soigner. Ça fait 2 semaines maintenant. Je dois être immunisée. Il y a un espoir, Marco. Si j'ai rien, les scientifiques de la base vont pouvoir trouver un antidote. Donne-moi ça. Je serai toujours avec toi.
peux plus t'en donner. J'ai besoin de morphine! Tu veux me voir souffrir? Tu peux crever! Le virus n'agit pas dans mon sang. Je suis au négatif, donneur universel. Ça vaut le coup d'essayer. Thank you.
maman. Pardon. Marco. Seigneur. Je peux plus me contrôler. Dans un sommeil profond. Et la deuxième va accélérer ton rythme cardiaque, provoquer un arrêt. Je suis désolée. Je vais revenir, mon amour.
Elle se réveille. Je vous ai pris pour un de ces enculés. Désolé pour la tête. Noé. Non. Franck. N'êtes pas militaire. C'est bien vous qu'on a eu à la radio ? Oh. Hé, restez avec nous. Prends-lui les clés. De toute façon, il n'y a plus d'essence. C'est une façon de raconter des conneries, Franck. Dans son appel, il disait qu'ils étaient deux. Il est où ton mec ? Il m'a planté. Il a fait une crise de paranoïa et il s'est enfui tout seul en forêt. Tu vas pas croire cette connerie, Franck. Espèce de pute ! Café. Deux sucres. Ah ! T'as pas intérêt à me balader, chérie. Sinon, c'est toi qui gagne un tour en forêt. Doucement. Non mais fais doucement, merde. Ah putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cannibales nous ont attaqués, on a dû s'enfuir comme des tafioles. Il a sauté dans le ravin pour aider son frère. Ils s'y sont mis à plusieurs, vous voulez des détails? Joli jouet pour un médecin. Occupez-vous de lui, j'en viens. Elle a les clés, Franck. Pourquoi tu les récupères pas? Une balle dans sa petite gueule. Et c'est réglé. Des autres, Franck. C'est ce que tu m'as toujours dit. Tirons-nous. Juste toi et moi. Ta radio, elle fonctionne? Elle ne marche plus. On peut juste recevoir, pas émettre. Il existe une base militaire qui s'appelle Noé. Leurs hélicoptères passent de temps en temps. Laissez tomber. Les hélicos, ils s'arrêtent jamais. Ils savent très bien qu'on est là, mais ils n'en ont rien à foutre. Ça fait 3 jours qu'il traîne avec nous. Je serais vous, je m'approcherais pas. Il est encore plus cinglé que ce putain de macaque. T'es pas mort, toi? Demain matin, on retourne au souterrain. Il y a une citerne, on récupère l'essence, on revient si vite fait. Il n'irait pas loin sans les clés. D'abord l'essence. Ensuite les clés.
J'en ai besoin. J'ai besoin de savoir. Il y avait une radio là où vous étiez. Emmenez-moi là-bas. Il faut que j'appelle la base militaire. Les clés de l'ambulance. Pour aller où ? Ils sont encore sous les décombres. Je donne sépulture à ma famille. Ça va vous en servir ? Ouais. Tenez. Faites vite. Appel d'urgence pour la base Noé. Je répète, appel d'urgence pour la base Noé. Nous sommes 6 survivants dans une grande bâtisse au milieu de la forêt. Vous nous avez survolés plusieurs fois, vous savez très bien où nous sommes. Ce message sera diffusé en boucle sur une fréquence ouverte. Appel d'urgence pour la base Noé, demande d'évacuation immédiate. Appel d'urgence, nous sommes dans une zone contaminée. Demande d'évacuation. Thank you.
Terminez votre message. Je m'appelle Sonia Dupré, je suis enceinte. J'ai été mordue, je suis immunisée. Franck. La ferme.
arrive. La porte, bordel, la porte, allez.
putain de porte, lâche! Prioritaire confirmée. Je répète, évacuation prioritaire. Équipe médicale OP. Individu Sonia Dupré. S61 à base Noé, bien reçu. Arrivée sur site, H-12 minutes.
êtes Sonia Dupré? Vous êtes bien Sonia Dupré? On va bien s'occuper de vous et du bébé.